أقلار ديال كاتالونيا، كاتالونيا با لوان دو بارسلون، لا كابيتال كاتالونيا. سي لو موا دوت 2012. كوم جو سوي دو باساج دا غيني اون كاتالون، جو فولي جيتي رونكونتري ناس، فوالا سي لوكازيون بور فار سيت اونتارتيان افيك توا. طاش دايور لي زونتارتيان ان زمان نخدم. Mais là, ce premier entretien, c'est surtout par rapport à quelque chose, un événement qui est survenu en 2007-2008, je pense, à c'est un recueil de poésie, et très général. Alors, normalement, l'éditeur avait prévu une conférence dans laquelle tu vas présenter justement le recueil à Girona, Gironde, Gironde Catalogne. Et il semblerait que la conférence a été annulée. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes cet épisode pour le partager avec les internautes de Temazra.fr et pour savoir un peu ce qui se passe en Catalogne. Est-ce que Temazra subit un peu partout dans le monde, y compris en Catalogne, là en Europe? Et à peine, voilà, ok. Donc, je le frérot, voilà. À mon arrivée en Catalogne, à Barcelone, vers fin 2007 et 2008, tout de suite après, j'étais accueilli par les cornes et le père catalan comme écrivain, enfin, comme une sorte de bourse d'écriture, écrivain accueilli, c'était comme ça. Il y avait un éditeur de Gironde qui s'est intéressé rapidement à mon œuvre parce qu'il a lu, je ne sais pas comment, il a lu Tifswin. Il a déjà eu Coran de Tifswin. Il a lu Tifswin. Ouais. Donc il s'est présenté. Il m'a dit, voilà, j'ai lu Tifswin, c'est très intéressant. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas un livre prêt, un roman, ou un recueil de poésie, quelque chose comme ça? Et il se trouvait que j'avais justement ce recueil qui était presque terminé. Et j'ai accepté, bien sûr, j'ai accepté. C'est une aubaine pour moi, c'est une occasion. Et on a vite fait, on a cherché des traducteurs du Temazra vers le catalan. On a trouvé un jeune Riffin qui a fait les premières tentatives, mais ça n'a pas donné beaucoup de fruits. Mais finalement, on a terminé le travail avec M. Carlos Castellanos, qui est professeur qui est un linguiste. Donc on a fait la traduction ensemble. Et donc Sol Sec, l'étage de la Rale, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs actuellement il est épuisé. Et pour le lire, il faut le demander directement à l'éditeur pour qu'il refasse de un tirage. Voilà, un tirage quoi. Donc il est épuisé. Et on a fait toute une série de présentations, très intéressantes d'ailleurs, à travers toute la Catalogne. On a présenté le livre, mais le livre c'était un prétexte. C'était juste un prétexte. Mais au fait, ce qu'il voulait, c'est présenter le berbère. La culture berbère, la langue berbère, les problèmes de la langue que nous vivons à l'échelle nord-africaine, pas spécialement en Algérie, quoi, ouais. L'échelle nord-africaine. Donc c'était très, très intéressant, très fructueux. Et bon, comme il y avait cette lancée, l'éditeur a voulu qu'on présente le livre à Gironde, qui est aussi une ville importante de la Catalogne. Et il avait pris contact avec quelques associations berbères locales pour présenter le livre. Donc l'éditeur a contacté ces associations. Et les associations lui ont répondu, attendez, on doit avoir le blanc-seing
de l'imam, de l'imam de la communauté, disons. Pas de l'imam de Gérone, mais de la communauté berbérophone de Gérone. Ok. La première fois, il était un peu effrayé, quoi. Mais qu'est-ce qu'un imam a à voir avec une activité culturelle, avec une lecture de poésie ou avec une présentation ou une conférence sur le monde berbère? Qu'est-ce qu'un imam a à voir là-dedans? Il lui a répondu que, bon, nous fonctionnons de cette manière. On doit avoir l'aval de l'imam sur tout ce qu'on fait. Et il ne voulait pas se montrer... Parce qu'ici, on étiquette n'importe qui de raciste un peu vite fait, quoi. Ouais. Donc, ouais. Il ne voulait pas tomber dans ce jeu, il a accepté. Il a dit, ok, donc, allez-y voir votre imam et donnez-moi la réponse, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. Parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres villes qui nous attendent pour qu'on fasse la présentation. Voilà. Et il a été... Il a reçu la réponse, effectivement, l'imam ne voulait pas. Parce que l'imam avait posé la question, c'est quoi ça? C'est une conférence sur le Tamazir, sur la poésie berbère. En plus, il y a toute une partie de poésie érotique. Alors là, c'est le bouquet, quoi. Donc, l'imam a dit non, pas question. Eh bien, la conférence n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Mais on a fait une autre conférence dans la même ville. Mais en dehors du cercle, disons, berbérophone, des berbères, et on l'a fait avec les Catalans. On a fait la présentation avec les Catalans, ça a fonctionné, c'était très intéressant. Et je trouve ça désolant parce qu'au XXIe siècle, dépendant de lui-même, c'est vraiment navrant. S'il s'agissait de trucs, je ne sais pas, de trucs religieux, de trucs dogmatiques, de trucs personnels, on peut peut-être poser la question à lui-même, comment on enterre, ou comment, je ne sais pas, comment on l'avait mort, je ne sais pas quoi. Ok, bon, à la limite, bon, moi j'accepte pas, mais... Voilà, celui qui veut poser la question, moi je ne vois pas l'inconvénient qui pose la question. Mais que lui-même intervienne dans des affaires qui n'ont rien à voir avec la religion, ou dans des trucs personnels, surtout et intervient dans des conférences culturelles, pour moi ça c'est le bouquet. Et ce qui est dangereux, c'est que une bonne partie, pour ne pas dire la majorité, pose l'islam comme première identité. C'est-à-dire que tu parles des associations, c'est ça, hein? Associations berbères en général, et donc il pose l'islam comme première identité, ensuite la culture berbère comme une seconde identité, quoi. Donc voilà. Et alors que ça devait être le contraire. Nous sommes d'abord des berbérophones, ensuite tu veux être musulman. Tu es libre, tu veux être chrétien, tu es libre, tu veux être athée, tu es libre. Voilà. Donc la question religieuse doit être personnelle, elle ne doit pas intervenir dans ce champ. Voilà. Et ça c'est dangereux, parce que toute la société est contrôlé par les imams, et cette société ne bouge pas, elle n'évolue pas, elle est ghettoisée, elle s'est enfermée d'elle-même. Ouais. Et ça c'est très dangereux, parce qu'effectivement, on refait le village, on vient ici, on quitte une ère culturelle donnée, on vient ici dans une autre ère culturelle, et on reproduit le village. Et on reproduit les mêmes bêtises, on reproduit les mêmes interdits, on reproduit les mêmes... Donc on s'enchaîne nous-mêmes. Ouais. Et ça c'est dangereux. Et ça n'aide ni la culture, ni les droits humains en général, ni... Alors là, les droits de la femme, n'en parlons pas. Ouais. Donc, à ton avis, est-ce que ces associations amazères ou ces associations berbères, c'est général en Catalogne ou c'est propre à certaines régions, à certaines associations? Est-ce qu'on peut dire que toutes les associations berbères fonctionnent de cette sorte? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, en fait, voilà, ils se placent d'abord en tant que musulmans, après autre chose. En fait, il n'y a pas longtemps, il y a eu un rapport qui a été publié, on peut le consulter, à travers le net, c'est un rapport qui a été fait par quelqu'un, je ne connais pas exactement sa fonction, mais elle a fait une enquête sur le mouvement associatif berbère en Catalogne, en général, en Catalogne. Ouais.
Et il est arrivé à une conclusion que la majorité, je dis bien la majorité, des associations berbères se donnent comme identité d'abord musulmane, avant l'identité berbère. C'est des associations qui font la promotion de l'islam avant la promotion du berbère, de la culture ou la culture berbère ou de la langue berbère. Mais bon, c'est pas général. Il y a des associations berbères qui effectivement qui travaillent bien, qui sont bien implantées, qui font la promotion du berbère d'une manière efficace. Ça aussi c'est vrai. Mais une bonne partie, pour ne pas dire la majorité, présente la religion comme première identité. Et là, ça biaise complètement notre combat. Et en plus de ça, ils induisent en erreur les gens qui nous accueillent ici, je veux dire la population locale, les autochtones. Ils les induisent en erreur. Ouais. Comment je me présente berbère. Ensuite, le message qui leur arrive, c'est un message d'un musulman. Oui, être musulman, il n'y a pas de problème. Mais je suis avant tout berbère. Et c'est un problème. En Catalogne, j'imagine que ce sont des Imazéranes qui viennent de Tamazra occidentale, que certains appellent Maroc, qui viennent en majorité ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre les autorités marocaines, parce que bon, comme ça, des consulats, des services qui travaillent là où ils ont de l'immigration. Est-ce qu'il y a une relation entre ces imams, ces milieux musulmans islamistes et l'État marocain ou pas? Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je manque d'informations, je manque de preuves, donc je ne peux pas dire exactement les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Mais je sais une chose, c'est que les autorités, qu'elles soient algériennes, ou qu'elles soient marocaines, ou qu'elles soient tunisiennes, ou qu'elles soient libyennes, toutes les autorités, tous les États, tous les régimes nord-africains, gèrent l'islam en Europe. C'est les autorités qui le gèrent. L'islam de France, c'est Alger qui le gère. Ah ouais, principalement. Voilà. Donc, tout dépend de la communauté. Si la communauté marocaine est majoritaire, donc c'est l'État marocain qui gère. Si la communauté algérienne est majoritaire, donc c'est les Algériens qui gèrent. Et donc, ils gèrent l'islam à leur manière. Et certainement les imams aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un contingent d'imams qui va arriver en France, incessamment, si ce n'est pas déjà là, quoi. Donc c'est eux qui forment réellement les imams. Ouais. Donc de là à dire, est-ce qu'il y a un lien entre les États concernés, c'est un euphémisme. Oui, exactement. Oui, parce que bon, on sait quand même que les États, ils ont quelque chose contre les Mazères, surtout contre la. Ceux dont le mouvement Amazigh sont indépendants, qui développent des idées qui vont à l'encontre de leur idéologie. Donc c'est pour ça que voilà, je posais la question. Sinon, en dehors de cette conférence de Gérone, est-ce que tu as eu à faire d'autres conférences avec des associations Amazigh en Catalogne? J'ai fait des conférences avec d'autres associations qui sont très actifs sur le terrain. Ce sont des associations berbérophones, essentiellement du Maroc, aussi du Kabyle. Hein. Il y a aussi des associations Kabyle. On a fait pas mal de choses intéressantes, mais c'est des associations qui se comptent sur le bout des doigts. Pour revenir à ta question, c'est très peu, quoi. On aurait aimé que tout le mouvement, que tout le mouvement soit s'inscrit dans la même ligne, quoi. Ce n'est pas le cas, malheureusement ce n'est pas le cas, parce que les interférences étatiques de chaque pays concerné sont très très présentes, sont très importantes. On essaie de gérer aussi la société d'ici, quoi. Mais il y a des générations qui sont nées ici. Sont nés ici, peut-être c'est la deuxième, troisième génération, et ils continuent à être gérés ou à se faire gérer par les pays d'accueil. C'est fou. Ouais. Et ça, c'est fou. C'est fou. Okay. Et c'est pour ça que l'immigration, entre guillemets, hein, l'immigration en général, elle reste ghettoisée, elle reste dans la précarité, elle n'arrive pas à ses bons CP, elle n'arrive pas à évoluer. C'est grave. Bien sûr.
il y a des gens qui se sont émancipés, des gens qui se sont révoltés, qui se sont, voilà, qui sont... mais pour vivre cette disons entre parenthèses, entre guillemets, cette métamorphose, il faut couper, quoi. Il faut couper avec sa société, il faut couper avec son état d'origine. Et là, c'est dommage, parce que pourquoi me couperais-je de ma société ou de mon pays pour un idéal? Un idéal, en plus, un idéal démocratique. Pourquoi? Et ça fait mal. Donc, pour s'émanciper, tu dois couper. Et pourquoi ne pas s'émanciper tout en restant moi-même, tout en restant nous-mêmes? Voilà, on évolue comme tout le monde a évolué. Mais non. Mais non. Je vous remercie, Salim. Je vous remercie d'avoir fait ce qu'il y a. فين يعني اين يقدر دران داك الى كاتالونيا غين زمر داك وصل الغور ساكو السينير لي ميم ايفنت دير ان كونفرنس كاتالونيا ما جيتي فريمون جيتي شوكي اي سو كي مون تانفيتي تي انكور بلو شوكي بلو شوكي فوالا دونك سي بور سا كاين فغا اسكو ان ايفينمون كيما كي اخزر لي مزانن خاطر ماشي دايني صفراحا ماشي دايني صفراحا لكن قال لك سروميت سا نوغيول با دو ان بون افنير ا لوروب مي لا فريمون لوروب ريست لاكسيست بارابور ا سي كيستيون دو ريليجيون بون اون ريسك اون اوروب دو بيردر دو ريميتر ان كوز لي زاكي دو لونغ لوت parce que quand même la religion a été remise à sa place ici en Europe. Mais attention, bon. Attention, ça remonte, cette question-là, ça remonte un peu loin. Hein. Si je prends le cas algérien, durant la colonisation, à l'époque de Jules Ferry, par exemple, ils n'ont pas essayé d'imposer ni d'exporter le modèle laïque en Afrique du Nord. C'est ça, ouais. Au contraire. Oh, ouais. Au contraire, ils ont laissé la religion comme unique identité pour les indigènes. Vous voyez, alors que c'était la République, c'était les Lumières. C'était les Lumières. Les indigènes, pour eux, c'était systématiquement des musulmans. Voilà, pour eux, c'était une race inférieure qu'il fallait maintenir. Pour quelques-uns, qu'il fallait civiliser, pour d'autres, qu'il fallait maintenir. Parce qu'on n'a pas les mêmes. Disons, on n'est pas du même niveau. Donc, ils ont ghettoisé les Algériens dans une identité islamique. Ce que nous vivons aujourd'hui, il tire un peu ses racines de cette époque-là. Et ça continue. Pourquoi ça continue? Parce qu'actuellement en Europe, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance qui connaît la réalité que nous vivons, la réalité musulmane en général, quoi. Mais elle la taise. Et ils font dans la désinformation pour désinformer l'autre partie qui ne sait rien ou qui ne cherche pas à savoir. Qui n'a pas les moyens de le savoir aussi. Effectivement. Ouais. Donc ils essaient de maintenir l'autre partie dans l'ignorance. Tout ça pour des intérêts. Pour des intérêts bassement économiques. Sinon, c'est des questions qui sont très claires. D'une évidence, vraiment. C'est une évidence. Ouais. Voilà. Les premiers temps, parce que. J'ai pas très vécu en Europe, juste des petits voyages, des petits passages. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'effectivement, moi je croyais qu'ils ignoraient certaines choses. Non, j'ai découvert non. Ils n'ignorent rien. Au contraire, ils n'ignorent rien. Au contraire, ils nous informent sur nous-mêmes parfois. Parce qu'ils ont les moyens de s'informer mieux que nous. Ils nous informent sur nous-mêmes. Et là, comment peuvent-ils aujourd'hui se justifier? Ah, mais on ne savait pas. Non, vous savez. C'est vrai, ouais. Vous savez, si nous avons pris un mauvais chemin, si nous avons vécu de mauvais moments, ou vous avez vécu de mauvais moments comme occidentaux, c'est un peu de leur faute, quoi. Ben oui. De leur faute. T'es une belle facette. Thank you.
يا عودي بفوت في وقت والنادي يركب.